C'est-à-dire que moi, bébé, je ne me suis pas brossé ce matin. Donc, éloigne-toi de l'écran, petit frère, parce que tu peux recevoir un bouche-fouanf. Moi, Wanda, c'est le dos qui fabrique le passeport dans le pays. Franchement, hein, moi, bébé. Mais fanou-nou, mais fanine. Je suis dépassé par le type qui a décidé de ne plus fabriquer le passeport à Valsero. C'était une très mauvaise décision, Perica. Non, je te dis que c'était une mauvaise décision. Vous connaissez très bien qui est Gaston Abbé. Vous connaissez bien qui est papa. Vous connaissez bien l'étendue de la clinique. Vous savez c'est très bien, oui, vous savez c'est très bien que le type là. Quand vous, les gens de l'autre côté, vous lui donnez l'opportunité de s'appuyer sur quelque chose pour mener un combat, petit frère. Vous-même, vous n'aurez que non, il ne va pas vous lâcher. Donc le type qui a pris la décision de ne pas fabriquer le passeport de Valsero, est-ce que c'est le président de la République qui a demandé qu'on ne fabrique pas le passeport de Valsero? C'est le président de la République qui a demandé ça. Vous qui prenez les décisions dans vos bureaux là, c'est Popol qui t'a demandé de d'où ça? Mon frère, pardon, ne crie pas sur moi. Mon frère, pardon, il était posé une simple question. Est-ce que c'est le président de la République du Cameroun, son excellence Monsieur Paul Barthélemy Biya Bivondo, qui est le président actuel du Cameroun, est-ce que c'est lui qui t'a donné les instructions de ne pas fabriquer le passeport à Valsero? Il t'a demandé si tu as profité de ta position et que tu te sers des institutions ou du pouvoir étatique pour gérer tes cartes personnelles avec un activiste politique, un artiste engagé. C'est pas ce qu'il te demande. Est-ce que c'est la République du Cameroun qui t'a envoyé, qui t'a demandé de faire ça? La question que tu poses, demande au type si de me répondre. Réponds-moi. Pourquoi est-ce que tu refuses de fabriquer un nouveau passeport à Valsero? Pourquoi? Réponds. Hein? Yo tué quoi? Regarde sa tête comme l'igname. Hein? Regarde maintenant ce que tu as fait. Voilà donc que Valsero a soulevé un véritable casse-tête qui existe dans le pays ici depuis from longtemps. Hein? Et les enfants qui sont là-bas versés dans l'extrême nord, qui n'ont pas d'acte de naissance. Voilà les enfants comme ça à Yokadouma, à l'est du Cameroun, qui n'ont pas d'acte de naissance. Plein des enfants sont dans les pays Bamoun, sans acte de naissance. Des enfants sont à Bamunda, ils n'ont pas d'acte de naissance. Voici les enfants versés à Yaoundé, à Konolinga, à Kono. Les enfants sont en Banmayo, les enfants sont en Tui, ils n'ont pas d'acte de naissance. Voilà les enfants Baning, les enfants à Souza, à Yopou et à Ndokbok, ils n'ont pas d'acte de naissance. Vraiment, si j'explique ça au chef de l'État, il va dire quoi? Cher voisin. Si j'explique ça au chef de l'État, tu penses qu'il va te regarder comment? Toi qui prends les décisions inopérantes pour gérer tes problèmes personnels avec Valsero. Répète. Ne crie pas sur moi, répète. J'ai tes problèmes avec le général Gaston Abbé Serval. C'est ton problème, mon frère. Je ne vous ai pas envoyé des textes en documents administratifs. Une souche qui est censée rester dans la machine s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Qui a même eu l'idée de partager la souche du passeport de Valsero? Non, pas de Valsero, du passeport de Abbé Philippe Gaston, qui vous donne l'autorisation de partager son document personnel sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on comprend maintenant pourquoi tous les décrets privés présidentiels là se retrouvent toujours dehors. La personne qui a partagé ça doit être interrogée. Ah, ça. Voilà donc qu'il a soulevé un véritable problème. Vous allez donc faire comment? Parce qu'il a raison. Est-ce qu'il est le seul à être dans cette situation? S'il vous plaît, mon cher voisin, je t'apporte comme ça une piste de solution ce matin. Je suis en train de sortir pour aller au chantier. Ne dis pas que je ne t'avais pas dit. Lancer rapidement des grosses campagnes de fabrication d'actes de naissance et de cartes d'identité gratuitement au pays. Commencez par l'extrême nord, c'est-à-dire Maroua, en descendant Garouan. Là, on est arrivé jusqu'à Bitam. Allez vers Kiosi, tous les enfants qui sont nés à la frontière, on ne sait pas s'ils sont tchadiens, s'ils sont guinéens, gabonais ou camerounais. Cherchez vos ressortissants, fabriquez les actes de naissance gratuitement aux enfants. Oh. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des adultes aujourd'hui de 18, 20 ans, 25 ans, 30 ans qui n'ont jamais eu d'acte de naissance dans le pays ici, qui ont fonctionné avec des actes frauduleux? C'est vous-même qui créez la frauduliture dans le pays ici. Hein? Vous-même qui créez le faux, parce que quand quelqu'un n'arrive pas à obtenir un papier administratif facilement, n'est-ce pas? Me voici déjà aux toilettes en train de vous lâcher, non? Je m'apprête comme ça pour aller au travail. Ne dites pas que je ne vous ai pas parlé, voilà le papier génique là-bas. Hein? Chers voisins. Voilà les enfants de Yokadouma qui n'ont pas d'acte de naissance. À Bamunda, les enfants n'ont pas les actes de naissance. Nkambe, Oum, Awin, Njombe, Bansop, Meta, Batibe, Balikumba. Les enfants n'ont pas les actes de naissance là-bas. On ne sait pas s'ils sont Camerounais ou s'ils sont Indiens. Ou peut-être Sri Lankais. Voilà dans la capitale, les grandes métropoles comme Bafoussam, Yaoundé, Douala, Boya. Les gens n'arrivent pas à obtenir des cartes d'identité. Donc ce qui fait de toi un citoyen Camerounais. Votre problème, c'est vous accrocher sur le général Serval Gaston Abbé. Vous êtes trop bête. C'est-à-dire que vous êtes gong-gong. Dans vos textes, non, fais maintenant que tu me le pop-corn. Ça fait papa. Hein?
Petit frère, chère voisine, laissez Valzero tranquille. Le mal est plus profond que l'individu Valzero. Vous-même, vous le savez. Parce qu'on parlait même du passeport comme ça. Avant d'avoir la pièce d'identité camerounaise, il faut avoir l'acte de naissance. Combien de Camerounais ont l'acte de naissance? Le vrai, parce que Koumba est saturé tous ces temps-ci. Oui, les gens sont obligés de faire le faux. Parce que vous avez refusé de faire le vrai à temps. Tout le monde est obligé de faire le faux. On falsifie ici, on falsifie là-bas. Si le dossier passe, ça passe. Sans palan. Le mal. Attends, mon téléphone est en train de sonner. Tu m'appelles, mais quoi? Peut-être c'est un client. Il y a dit que je viens au chantier. Non? Oh. Allô? Pardon? Que je ne veux pas voir mes enfants grandir. Ah. Que je me tais. Que je la boucle. À jamais. Sinon, je ne verrai pas mes enfants grandir. Ah, mon père qui m'a vu grandir, qui nous a tous vu grandir dans la concession là, il nous a vu grandir, nous sommes grands. Ça ne changeait pas sur notre destinée. Je dis que les enfants qui ont grandi avec leur père là, comme le père a vu depuis qu'ils sont nés, ils ont grandi là dans le même tapioca, avec les arachides et l'avocat. Ça ne changeait quoi dans ma destinée? Raccroche-moi au téléphone là, raccroche ça. Chouin. Je demande que le père du président de la République du Cameroun l'a trop vu grandir. Est-ce que cela a empêché qu'il devienne le deuxième président de la République du Sri Lanka? Cela dure au moins 40 ans aujourd'hui. Vous croyez que le père du président du Sénat l'a trop vu grandir? Est-ce que cela empêche qu'aujourd'hui, à 100 ans, il est réélu à la tête de la sénatorie? Hein? Vous croyez que le père du président de l'Assemblée nationale l'a trop vu grandir? Est-ce que cela empêche qu'il sera encore réélu président de l'Assemblée nationale? Hein? Voici mes voisins ici. Ils ont grandi sans leur père. Ça fait au moins 100 ans que celui-là est parti. Ils déchargent les conteneurs tous les jours ici dehors. Vous croyez que c'est le cadavre de leur père qui vient décharger les conteneurs là? Bisous, mes bobos. On dit fabriquer les documents administratifs de nos Camerounais qui disent que les enfants vont grandir. Qui ne grandissent plus.